Maloc, une histoire de Gilles Baum, illustrée par Rémi Saillard. 33 coups de canon retentissent dans un même souffle. Depuis le sommet du donjon, 33 boulets colorés peignent le ciel avant de plonger en cercle parfait dans la mer. C'est le signal tant attendu. Sur les remparts, les trompes dorées chantent la note joyeuse et les portes de la grande cité s'ouvrent enfin. À son tour, la foule impatiente explose de joie. La grande foire aux dragons est ouverte. Personne dans le royaume d'Oya ne veut manquer ça. Surtout pas Gulnar et Lona. Dans l'enceinte du château, les marchands sont partout. Ils exhibent des dragons majestueux qui ronronnent sous les caresses. Des créatures surpuissantes dont les écailles ont la douceur de la soie. Ici, nul enclos. Les dragons se laissent chevaucher et emmènent les plus audacieux tournoyer dans le ciel entre les tours. Les auberges ne désemplissent pas. Et sur les estrades se succèdent musiciens, acrobates et cracheurs de feu. La foire aux dragons, c'est 3 jours et 3 nuits de fête. Pour sceller chaque vente, on chante, on danse, on se frotte les nez. Au royaume d'Oya, le bonheur des uns fait aussi le bonheur des autres. Celui qui fait une belle affaire invite tous les badauds autour de lui à trinquer à la santé de son dragon et à partager sa joie. Mais hélas, les bons dragons sont hors de prix. Sans dormir, Gulnar et Lona cherchent la perle rare, le dragon qui pourra aider au champ et à la cuisine, qui facilitera les voyages et les courriers, qui pourra veiller sur le bébé qu'ils voudraient tant avoir. La mission semble impossible. Leur bourse est bien maigre. La dernière nuit, une rumeur parvient à leurs oreilles. Un marchand nommé Adahamar proposerait des ligpousses argentées à très bas prix. Mais il faut faire vite. Les premières fumerolles de l'aurore apparaissent déjà quand Lona débusque enfin le fameux étal en poussant un cri de surprise. Des œufs ! Par la manche, elle entraîne Gulnar dans une minuscule cour intérieure. Un marchand y vend une douzaine d'œufs installés dans la paille, protégés par des couvertures et réchauffés par des bougies posées ça et là. Gulnar n'en croit pas ses yeux. Un ligpousse argenté. Ce serait parfait pour la ferme qu'ils viennent d'acheter. Pas de doute, il faut se lancer. Le pari est osé, mais l'occasion est trop belle. C'est à Lona que revient la difficile question du choix. Un œuf attire immédiatement son attention. Sa coquille tachetée joue drôlement avec la lumière de la lanterne. Sans même le toucher, Lona sent déjà battre le cœur de la créature dans sa propre poitrine. L'affaire est conclue. La bourse contre la promesse d'un dragon. Dans le ciel, 33 coups de canon annoncent la fin de la foire. Le retour à la ferme se fait pas à pas, lentement. Lona a glissé l'œuf dans la poche ventrale de sa pèlerine et ses deux mains le couvent bien au chaud, parant le moindre chaos de la route. Elle veille. Gulnar avance dans ses pensées, toujours 1 mètre devant. Il sait tous les travaux qui l'attendent à la ferme et compte bien s'appuyer au plus vite sur l'aide du ligpousse. Déboisé, essarté, essouché, Gulnar s'épuise à faire reculer la forêt pour agrandir son champ. Ses journées sont harassantes. Celles de Lona ne le sont pas moins. Elle entreprend à elle seule de construire la grange tout en gardant un œil sur l'œuf. Chaque soir, sitôt la soupe avalée, la bougie est soufflée. En 1 seconde, Gulnar s'engouffre dans le sommeil. Lona est plus patiente. Elle glisse alors sa main dans celle de son amoureux et pose ses yeux sur l'œuf qu'elle devine dans l'obscurité, à côté d'elle,
en sécurité au bord du lit. Alors, Luna sourit puis s'endort. Un soir, en rentrant à la ferme, Gulnar découvre que l'œuf n'est plus qu'une coquille fendue, éventrée sur le sol. Luna est juste là, assise, emmitouflée dans les couvertures. Dans ses bras, elle tient Malok, l'Icpousse aux yeux encore fermés. Gulnar est ému. Sa joie est intense, mais de courte durée. Immédiatement, il comprend qu'il y a un problème. Malok est famélique. Il a une aile atrophiée et une patte folle. Luna est livide. Gulnar est silencieux, fermé. En lui monte une colère sourde, mais il faut serrer les dents, attendre. Un matin, après 3 semaines entières sans le moindre mot inutile, Gulnar entraîne Malok derrière lui à l'assaut des champs et des travaux de l'aube. Il est grand temps pour le dragon de tenir son rang. Sans quoi, il faudra revendre la ferme ou mourir à la tâche. Luna suit sans bruit les mains jointes à quelques pas. Malok a grandi, mais le collier de labour est encore bien trop large pour lui, même serré au maximum. Pourtant, Malok essaie, boitant d'un côté, fouettant l'air de l'autre. Il tire de toutes ses forces pour tracer le sillon. Il se bat avec acharnement. Malok fait tout ce qu'il peut. Ses yeux en témoignent et ne saurait mentir. Derrière lui, Gulnar soupire froidement. Luna cache son visage dans ses mains. Le soc a avancé de quelques centimètres à peine. Gulnar finira seul, sous le regard voilé du Licpousse impuissant, désargenté. Chaque jour, Gulnar montre une tâche nouvelle à Malok. Transporter les troncs écorcés, déplacer les rochers hors du champ, creuser les canaux d'irrigation. À chaque fois, c'est le même drame. Quand c'est au tour du dragon, la brume bouge à peine, le rocher ne fait que vaciller, le canal n'est qu'un mince filet d'eau en surface. Comme la sueur qui perle sur le front de Gulnar quand il montre l'exemple. Comme les larmes de Luna quand le Licpousse doit prendre le relais. Parfois, un rocher finit par basculer sur le côté. Maigre victoire pour Malok. Du bout des lèvres, les voisins gênés proposent l'aide de leur dragon pour faire avancer les travaux. Mais Gulnar s'y refuse. Tout autour de la ferme, la pauvre créature chétive doit s'occuper des basses tâches. Hélas, même celle-ci lui résiste. Malok débarde difficilement le petit bois de chauffage. Il peine à rapporter l'eau du puits sans la renverser, et il s'épuise à chasser les tétraques du champ. Pourtant, jamais Malok n'abandonne. Il essaie, il échoue, il essaie à nouveau. Sans cesse. Après chaque tentative, il se relève pour mieux retomber. Malok ne réussit presque rien, mais jamais il ne déserte, ne quitte son poste. Et même si Gulnar ne s'en rend pas compte, le Licpousse en fait chaque jour un peu plus, chaque jour un peu mieux. Derrière le voile de honte, les yeux du dragon sont désormais habités par une lueur encore inconnue jusqu'ici. Mais au final, c'est toujours Gulnar qui doit terminer le travail, animé par une énergie que lui-même ne se connaissait pas. Au fil des jours, les chantiers de la ferme finissent par avancer de manière étonnante. Malok commence et Gulnar termine sous le regard brillant du dragon. Les travaux débutent de plus en plus tôt le matin et se terminent de plus en plus tard le soir. Dans le froid, sous la pluie battante, plus rien ne peut arrêter Gulnar, ni la fatigue, ni les éléments. Il finit avec fougue tout ce que son dragon entreprend avec sa farouche volonté. Et chaque fois, Malok reste là à le regarder. Jamais il ne rentre à la ferme malgré la fatigue intense. Il reste là, juste derrière Gulnar, en soutien. Même immobile, Malok est à la tâche, à sa place. De l'or dans les yeux. De son côté, Luna regarde ses mains,
elle n'en revient pas. Elle se demande où elle a trouvé la force. Avec plus d'une semaine d'avance sur les meilleures prévisions, la grange est debout, fière et magnifique, tenant tête elle aussi au mauvais temps. Alors, un matin de repos, Lona et Malok sortent de la ferme sans un bruit, laissant Gulnar dormir. Celui-ci ne les surprendra que bien plus tard à arpenter le champ côte à côte, au rythme du plus lent. Le tableau est touchant. Lona et Malok déposent les semences dans les sillons, graine par graine, et leur complicité est belle à voir. Mais elle n'est rien comparée à la fierté de Gulnar. La ferme est magnifique. Ce jour-là pourtant, alors que le soleil est au plus haut, une ombre s'étend et plonge la ferme dans la nuit. C'est un immense dragon messager qui vient se poser dans le champ. Malok est impressionné. Lona ouvre un sac de graines devant l'animal reconnaissant, tandis que Gulnar fouille la poche à courrier. C'est une lettre d'Ada Amar le marchand. Elle n'est pas bien longue, mais elle dit beaucoup. Ada Amar veut savoir si l'œuf a bien éclos, si le dragon donne satisfaction, s'il faut procéder à un échange, toujours possible. Cette fois-ci, c'est dans les yeux de Gulnar que passe une étrange lueur. Sur le flanc du dragon messager, une seconde sacoche permet de répondre. Elle contient des plumes, des encriers et des parchemins vierges qui seront inutiles. Au dos de la lettre, sans hésiter, Gulnar jette trois mots d'un bleu profond. Il est parfait. Sitôt le sac de graines vidé, la ferme retrouve le soleil. Lentement, Lona fait un pas en avant pour glisser sa main dans celle de son amoureux. À leurs pieds, des pousses commencent déjà à craqueler la terre pour se nourrir de lumière et se déployer gracieusement vers le ciel. Mais un plus grand bonheur encore se cache ailleurs. Dans le vent léger, couvert de mille et un reflets, les cheveux de Lona se mettent à danser. Au royaume d'Oya, c'est un signe qui ne trompe pas. Elle attend un bébé.